Alors, dans cette activité, on va travailler. Bon, en classe, ce sont des perles. On travaille avec des barrettes de perles pour approfondir la connaissance des nombres de 1 à 10. Donc, la semaine dernière, vous avez déjà travaillé sur un autre matériel qui s'appelle les jetons. Et donc, on continue avec ces perles. Alors, à la maison, vous n'avez pas ce matériel de perles que nous avons en classe. Alors, on va vous proposer de fabriquer des petites étiquettes. Alors, c'est les parents qui vont le faire parce que c'est important que ce soit que les perles soient bien dessinées avec la bonne couleur et la bonne taille. C'est important, vous verrez pourquoi. Donc, on va demander aux parents de le faire. Je les ai rangés ici dans l'ordre pour que vous puissiez bien voir. Donc, 1, 2, 3 jusqu'à 10. Alors, les couleurs sont importantes. Il faut impérativement respecter ces couleurs puisque ça va correspondre à ce qu'on utilise en classe. Alors, le 1, il est rouge. Le 2, c'est du vert. Le 3, rose. 4, jaune. 5, c'est du bleu clair. 6, c'est du violet. Alors, 7, c'est du blanc. Donc, j'ai fait des petits ronds au crayon de papier pour qu'on voit que c'est du blanc. 8, c'est marron. 9, c'est du bleu foncé. Donc, essayez de bien différencier les deux bleus pour que ce soit clair. Et le 10, alors nous à l'école, c'est du doré, mais du orange, ce sera très bien. Donc, ça, c'est les parents qui le font. D'accord? Donc, une fois que le matériel est prêt, on peut rassembler toutes les perles. Hop, voilà, ça c'est mon petit tas de perles. Alors, c'est maintenant que le travail des enfants commence. Alors, vous vous rappelez de ces petites cartes nombres que vous avez déjà utilisées la semaine dernière. Donc, vous réutilisez la même chose. Le premier travail de l'enfant sera de remettre les nombres dans l'ordre de la comptine de 1 à 10. C'est ce qu'ils ont fait la dernière fois dans le travail des jetons. Donc, ça fait un petit réinvestissement du travail de la semaine dernière. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, là, c'était assez facile parce que je les avais mis dans l'ordre, mais vous les mélangez. Vous pouvez les mettre, par exemple, dans le désordre ici et votre enfant le refait en haut de la table. Évidemment, on procède par étapes. Si c'est difficile, vous pouvez apporter de l'aide à votre enfant. S'il y arrive jusqu'à 6, eh bien, il le fait seul jusqu'à 6 et puis vous l'aidez pour la suite. On y va par étapes. L'important, c'est d'avoir le résultat, c'est-à-dire les nombres de 1 à 10 disposés de cette façon sur la table. Alors, si je reprends mes perles, voilà, on va devoir associer les perles au nombre. Je reprends le début. Normalement, tous les enfants reconnaissent le 1. Donc, 1. On va rechercher la quantité qui correspond à 1. Donc, je mets la perle 1 sous le 1. 2. Voilà. 1, 2. Alors, vous verrez que plus votre enfant fera ce travail, et plus il pourra reconnaître les quantités aussi grâce aux couleurs. C'est pour ça que c'est important les couleurs, parce que en fait ce matériel-là, il va être utilisé par la suite en numération dans plein d'autres activités. Et arrivé à un certain niveau, ils n'auront plus besoin de recompter 1, 2, 3, 4, 5. Ils vont tout de suite visuellement reconnaître que le bleu clair, c'est le 5. C'est pour ça que c'est très important de respecter les couleurs qu'on vous demande. Mais là, comme c'est la première fois que votre enfant fait ce travail, évidemment, il va avoir besoin de compter pour retrouver la quantité. Donc, on continue. 3. Donc, 1, 2, 3. Et on continue de la sorte jusqu'au 10. Donc, on associe la quantité de perles. Non, c'est là que c'est moi qui me trompe. Non, non. Je comptais. 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, ce travail-là, vous pouvez le faire plusieurs fois de suite. Donc, on remélange et puis on recommence. Ça va permettre de ce que je vous disais à l'instant, de les familiariser avec ce matériel et ces perles de couleurs. Et à force de les manipuler, ils vont se rappeler
la couleur de chaque barrette. Alors ensuite, on remet, on mélange les perles sur la table. Et maintenant, ça va être associer la carte nombre à la quantité. Donc, par exemple, votre enfant choisit une quantité, par exemple celle-ci. Donc, s'il la reconnaît directement, très bien. S'il a besoin de compter, il compte. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, je dois rechercher l'étiquette 4 pour l'associer à la barrette de perles 4. Par exemple, celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, ça, c'est la barrette 7. Donc, je recherche mon 7. Voilà. Et donc, vous faites de même avec, avec toutes les perles. Associer l'étiquette avec la quantité. Donc, soit en comptant, quand c'est des grandes quantités, ils vont avoir besoin de compter au début. Après, très rapidement, le 2, le 3, ils vont le repérer facilement. Voilà, 10. 5. Voilà. Vous pouvez après leur faire redire, par exemple, chaque barrette, chacune son tour, on peut redire le nom de la barrette. Voilà pour l'activité des perles de 1 à 10.